Bonjour, cher orateur. Je suis Dr. Richard Bayala, promoteur de la flamme linguistique. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un autre point de la grammaire. Mais avant, je voudrais vous inviter à découvrir les rubriques de la flamme linguistique. La première est intitulée English Time et elle est animée par Mr. Kone tous les mardis. Une rubrique qui vous permet d'améliorer votre niveau en anglais. La seconde, intitulée « De l'éloquence », est animée par Pierre tous les jeudis. Une rubrique qui vous permet de maîtriser l'art oratoire. Une rubrique qui vous donne toutes les stratégies, les belles stratégies, les stratégies appropriées pour avoir une parole réussie en public. La troisième rubrique, intitulée Belle Plume, est consacrée à la littérature et elle est animée par Miss Cissé Iman. La quatrième rubrique, c'est Que faut-il dire? Que faut-il écrire? Une rubrique qui vous permet d'améliorer votre parler, mais également vos écrits. Une rubrique animée par moi-même. Le sujet du jour, c'est l'emploi fautif du mot chaque. Je répète, nous nous intéressons aujourd'hui à l'emploi fautif du mot « chaque ». Si vous avez l'habitude de dire « chaque deux jours » ou « chaque deux semaines », cette vidéo est la vôtre. Est-il correct de dire « chaque deux jours » ? Non. Ne dites plus « chaque deux jours ». Pourquoi ? Sachez qu'en grammaire, le mot « chaque » est un adjectif indéfini. Un adjectif indéfini qui s'emploie seulement, je dis bien qui s'emploie uniquement devant des noms singuliers et non devant des noms pluriels. Mieux, retenez que chaque ne prend jamais de S. Ou si vous voulez, chaque adjectif indéfini est toujours invariable. Exemple, chaque jour, je vais à l'école. Chaque semaine, je vais en ville. Ne dites plus chaque deux semaines, je vais en ville ou chaque deux mois, je vais à l'école. Pour construire ce retour cyclique, cette fréquence, vous pouvez employer l'adjectif indéfini tout selon le nombre et le genre du nom qui l'accompagne. Je répète, pour construire cette fréquence, cette période, vous pouvez employer l'adjectif indéfini tout, c'est-à-dire T-O-U-T, selon le genre et le nombre du nom qui l'accompagne. Exemple, toutes les semaines, je vais en ville. Je dis bien, toutes les semaines, je vais en ville. Pourquoi je dis toutes? Je dis toutes simplement parce qu'on dit une semaine. Il y en a plusieurs, donc je dis bien toutes. Et l'orthographe de toutes, c'est T-O-U-T-E-S. Mais si je dis tous les mois, je vais en ville, vous allez voir que le tout s'écrit T-O-U-S. Je dis bien T-O-U-S et non T-O-U-S. O-U-T-S. Évitez de commettre cette faute. Très souvent, les gens écrivent le tout avec T-S à la fin. Non, ne le faites plus. Si vous dites tous les mois ou tous les enfants, le tout, c'est un T, un O, un U et un S. J'espère que vous avez retenu la leçon et que vous l'avez appréciée. Et si c'est le cas, suivez-nous via notre chaîne YouTube, mais également notre chaîne, notre page Facebook, mais à travers tous les autres canaux.